Bonjour à tous, c'est Bi61 et aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil 0. Donc pour le chapitre 15, donc on va charger la partie directement. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui va être bien sympa puisque, comme vous pouvez voir, dans les sauvegardes, comme par hasard, elles ont toutes disparu. Alors celle-là, c'est pareil, elle n'existait pas. Alors par chance, j'ai réussi, comme vous savez, des fois je fais des sauvegardes rapides, hein, je vous en avais déjà parlé, au cas où si le jeu y plante. Et donc ça fait des sauvegardes indépendamment du système de sauvegarde même du jeu, quoi. C'est pas des sauvegardes qu'on peut voir ici, quoi. C'est des sauvegardes faites avec l'émulateur. Et heureusement, grâce à ça, j'ai pu récupérer ma partie de la dernière fois, parce que sinon j'étais bon pour recommencer tout le jeu. Alors je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Parce que je veux bien croire qu'il y a des bugs dans l'émulateur, mais de là à enlever les trucs de sauvegarde, je comprends pas. Donc c'est un peu bizarre. Donc heureusement, franchement, que j'avais les sauvegardes rapides, parce que sinon j'étais foutu et je devais tout recommencer. Donc du coup, ça a pas tout à fait enregistré là où j'avais tout rassemblé au même endroit. Donc vous voyez là, moi ce que j'avais fait en fait, c'est j'avais mis toutes mes armes ici, enfin tous mes items quoi. Et comme là on peut voir, j'ai juste mis le lance-grappin, le fusil à pompe. Puis il y a une plante verte qui était là déjà par défaut. Et puis là-bas il y a un bidon d'essence normalement. Vous voyez. Donc il n'y a pas eu tout le rangement, je me suis fait chier à faire malheureusement. Mais bon, tant pis, hein, de toute façon c'est comme ça, hein, on peut pas trop... On peut pas faire grand chose hein, face à ça, puisque la sauvegarde s'est barrée pour je ne sais quelle raison. Mais bon, c'est pas très grave quand même. Hein. Comme je vous ai dit, vu que j'avais quand même une sauvegarde rapide, heureusement, j'ai pas perdu tout ce que j'avais fait. Donc on voit tous les items. Alors pour se déplacer, c'est comment déjà? Donc vous voyez tous les items, hein, je les ai tous mis ici. Alors les seuls trucs que j'ai pas récupérés dans le centre de formation, parce qu'on va pas faire des allers-retours infinis, hein, c'est pour ça que j'ai ramené tout là. Le seul truc que j'ai pas récupéré, enfin les 3 trucs que j'ai pas récupéré, non même les 4 trucs, pardon. Il y a le fusil de chasse, donc celui où on peut mettre que 2 cartouches dedans, autant dire que pendant les combats c'est pas tip top, donc j'ai préféré le laisser là-bas. Il y a 2 couteaux aussi, les couteaux de combat c'est pareil, les couteaux on va plus s'en servir, on en a plus besoin. Et les munitions de pistolet qui étaient planquées dans une pièce, où derrière cette pièce il y avait un homme sans su. Sauf que cet homme sans su, je l'avais pas tué et j'ai dit que... Je crois que ça devait être dans la vidéo 12, il me semble, ou la 13. J'avais dit que j'allais pas chercher, enfin me faire chier à tuer un homme sans su pour aller chercher 10 balles de flingue, hein, ça valait pas le coup. Donc c'est pour ça que je les ai laissés sur place. Donc voilà, sinon tout le reste, je les ai quoi. Donc la dernière fois qu'on s'est arrêté, j'avais réussi à ouvrir cette porte avec la fameuse énigme du cadran. J'avais complètement oublié le code, mais bon, je l'ai finalement retrouvé assez vite, hein, comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas pris trop de temps. Donc on arrive ici au téléphérique, et Billy est lui juste au-dessus. Sauf que vous voyez ici, il y a une passerelle, mais on peut pas y accéder, puisque pour l'instant, on peut voir que c'est vide. Hein. Donc si Billy avance, vous voyez, il va tomber dans le vide. Mais on voit la passerelle en face qui va se décaler prochainement. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. Donc c'est Rebecca qui va s'en charger. Donc normalement je crois que c'est par là, il me semble. Enfin si j'arrive à me déplacer avec le perso. Ah voilà. Donc on va quand même aller jeter un coup d'œil là-bas, mais normalement il n'y a pas de... Il n'y a pas d'info spéciale, puisque de toute façon ça marche pas. Voilà, le courant semble coupé. Donc nous on va appuyer sur l'espèce de levier là. Donc l'actionner, oui. Et donc vous pouvez voir que la passerelle bouge. Et on va pouvoir rejoindre Billy, enfin, parce qu'on était séparés, hein, si vous en rappelez pas. Donc là, on voit un truc briller, là-bas, on sait pas trop ce que c'est. Donc on va aller le ramasser. Ah oui, mais évidemment, faut que je sois plein à ce moment-là. Comme par hasard. Je vais laisser ça là en attendant. De toute façon, on est au même endroit, hein, donc je pourrais le ramasser après. Donc je récupère, donc bobine de sortie. On sait pas trop ce que c'est, mais on avait aussi ramassé il y a pas longtemps une bobine d'entrée. Que je vais aller récupérer d'ailleurs, parce que je l'ai pas dans mon inventaire, je crois, elle est sur la carte.
Alors la bobine d'entrée, oh, elle est là. Ouais, donc faut que j'aille la récupérer d'abord. Je vais laisser ça par terre, tac. Et je vais aller récupérer la bobine d'entrée. C'est vrai que ça, j'ai oublié de le faire. Donc une bobine de sortie, une bobine d'entrée. Pour l'instant, on sait pas à quoi ça sert. Bon, vu la dégaine que ça a, on a l'impression que c'est un truc électrique, mais on n'en sait pas plus. Donc, moi, je vais aller chercher la bobine d'entrée et on va voir ce que ça, à quoi ça sert. Et ça nous est très utile, hein. Ça sert comme une clé en fait, puisque sans ça, on peut pas utiliser téléphérique en fait. Alors, par contre, le retrouver dans ce bordel, c'est peut-être ça. Parce que comme vous savez, je joue pas en plein écran, hein. Ça, je vous l'avais déjà dit. Du coup, pour moi, l'écran, par rapport à mon écran d'ordinateur, l'image est divisée par deux, quoi, limite. Et vu que je joue en plus d'une télé, je vois pas très bien. Mais bon, là, ça va, j'ai quand même réussi à le récupérer assez rapidement. Et du coup, les items par terre, à part s'ils ont une forme très expressive, du genre des grenades acides, incendiaires ou je sais pas quoi, des sprays, des flingues, des trucs comme ça, mais tout ce qui est petit objet, poudre ou objet de quête, bah, pour les voir, enfin pour voir la différence, c'est pas flagrant quoi. Donc là, du coup, on a les deux trucs, on va pouvoir rejoindre Billy, enfin. Donc par l'intermédiaire de cette plateforme, donc là il y a une échelle, on peut la voir. Tac. Et on grimpe. Voilà. Donc Billy est juste à côté. Tac. Alors, on va faire un petit peu de troc. Alors, échanger. Je vais prendre des cocktails Molotov, vous allez vite comprendre pourquoi dans quelques minutes. Je lui donne la bobine d'entrée, les soins ça va. Le reste je préfère garder. Ouais donc ça va. Attendez. Faut quand même que je prenne la. Je vais prendre. Ouais je vais prendre ça. Tac. Merde. Voilà. Parce que Billy a besoin d'un autre slot pour utiliser le lance-grappin, vous allez comprendre pourquoi aussi. Donc je récupère le lance-grappin, tac. Donc comme vous vous doutez, le téléphérique est en bas, là il y a une espèce de pièce, on ne sait pas ce que c'est puisqu'on peut pas y accéder. Mais bon, on se doute bien que un truc tout vitré comme ça, que c'est un téléphérique, ça pourrait être une salle de contrôle. Sauf que cette salle de contrôle, on peut pas y accéder directement puisque la porte elle est fermée. Et le seul moyen de l'ouvrir, c'est de l'ouvrir de l'intérieur. Sauf qu'à l'intérieur, on peut pas y être par magie. Mais en allant par là, il me semble. Ou si c'est pas par là. Donc, ouais, c'est de l'autre côté alors. De l'autre côté, vous allez voir. C'est un truc tout bête. Et c'est pour ça que le grappin, il nous sert quand même pas mal dans le jeu. Alors, attendez, ça doit être là-bas alors. Ouais, c'est ici. Voilà. Donc, on voit un énorme cratère dans le sol. Le truc, c'est pour bien dire, vous pouvez passer par là, super. Donc on utilise le grappin, on monte. Et on va atterrir comme par magie dans la salle de contrôle. Normal. Donc on va voir la porte, comme ça c'est fait. Tac. Alors ce qui est marrant là, ça fait comme... Ouais, c'était juste avant d'arriver dans le complexe laboratoire, qu'en gros avant de prendre l'ascenseur, si vous vous en rappelez. Il y avait une grille derrière avec un truc, un disjoncteur ou quelque chose comme ça. Et il y avait l'animation de la porte, mais une fois ouverte, et ben, il n'y avait plus besoin de se retaper les animations en fait. On pouvait passer directement dans la pièce. Et là, c'est pareil en fait, vous voyez. Il n'y a plus de temps de chargement quoi. La porte est définitivement ouverte. Donc, comme ça permet de gagner du temps. Donc, il y a quand même des petites choses à récupérer ici. Pour l'instant, on va les laisser comme ça. On va dire qu'il n'y en a pas forcément besoin pour le moment. Donc on va voir la salle de contrôle. Donc cette machine régule l'alimentation électrique. Vous pouvez l'utiliser pour remettre le téléphérique en marche. Voilà. Je sais pas s'il y a un zoom sur le truc. Non. Ouais, donc c'est à nous de deviner quoi. Donc je vais juste examiner les trucs pour voir s'ils donnent des informations comme ça. Même si je sais où ça se met, mais c'est juste pour voir. Alors nécessaire pour remettre le téléphérique en marche. Voilà, déjà il nous donne une grosse piste.
qui est pas mal d'ailleurs, puisque vu que le tableau d'alimentation on le voit pas forcément, on n'est pas obligé de deviner que ces trucs-là ça se met là-dedans. Donc ça c'est pareil, nécessaire pour remettre le téléphérique en marche. Donc on utilise. Donc vous voyez, là on a mis la première pièce. Et on va mettre la deuxième. Donc là j'appuie sur croix sans faire exprès. Tac. Et voilà. Et voilà, donc c'est bon. Donc c'est parfait, j'ai envie de dire. Rebecca, je regarde où elle en est, elle. Que je fasse pas de bêtises. Donc si j'utilise le cocktail Molotov, vous devinez bien pourquoi. Vous allez le voir vous-même, mais je pense que vous avez une petite idée. Hein, si vous avez vu le reste du Wild Food, vous savez pourquoi en général je me sers d'un cocktail Molotov. Normalement, on peut y accéder. Voilà. Mais le jeu nous force, comme par hasard, à continuer seul. Mais ça va être drôle parce que vous allez voir que c'est. Enfin, je vais pas spoiler, vous allez voir. Enfin, ça va être drôle et ça va être dramatique aussi d'un autre côté. Donc, Billy rejoint Rebecca. Normalement, il y aura une scène cinématique. Alors, je sais pas si c'est directement. Alors ça n'a pas l'air d'être directement, faut peut-être ouvrir la porte d'abord. Voilà, donc c'est le bordel. Billy tombe dans un trou, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Et il y a un homme sangsue qui nous attrape déjà. On n'a pas eu le temps de trop réagir. Ah la vache. Voilà. Donc il va exploser. Voilà, c'est bon. On a la paix. Alors par contre, ouais, il s'est bien vengé sur moi, j'aurais peut-être pu mieux gérer, mais c'est vrai que j'ai perdu un peu l'habitude, hein. J'ai rejoint un petit peu hier pour me rappeler des contrôles de base de la manette, hein, puisque comme je vous rappelle, je jouais avec une manette Play sur un jeu de Wii, mais qui pourrait aussi bien jouer avec la Wiimote que la GameCube, enfin la manette GameCube, donc autant dire que c'est pas trop la même configuration. Mais bon, ça passe quand même, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'il faut se rappeler de se dire, par exemple, je sais pas, A c'est égal à croix, par exemple, pour la PS1. Et encore, j'ai fait mes propres réglages. Hein, donc c'est pas forcément fidèle à cette idée-là, quoi. Donc du coup, ouais, j'ai perdu un peu de vie. Donc on a vu que Billy, justement, il s'est cassé la gueule, donc on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Alors c'est vrai que la première fois qu'on y joue, on se dit bon bah le gars il doit être mort, je sais pas, mais bon c'est vrai que la mise en scène fait que il n'y a pas forcément de musique tragique et tout comme on a l'habitude de voir dans un Resident Evil, donc on se dit il doit être en vie mais il a sûrement pris cher, quoi. Donc du coup là le jeu va continuer avec Rebecca toute seule et c'est pour ça que tout à l'heure ça me faisait rire parce que on est obligé de continuer à deux jusqu'au téléphérique parce qu'on peut pas y aller seul, mais le pire c'est qu'après on finit seul quand même. C'est ça que je trouve assez marrant. Donc je me suis débarrassé du leash. Donc comme on a pu voir aussi dans la cinématique, c'est ça que j'ai trouvé marrant. C'est que la cinématique où on voyait le leash justement essayer de nous choper, donc l'homme sangsue. Hein. Quand je dis leash, ça veut dire sangsue en anglais, je crois. L'homme sangsue, quand il est arrivé derrière nous, il y a une cinématique en image de synthèse. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle a presque pas saccadé. Et sur le coup, je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre, le bug est résolu, c'est cool. Et puis juste à la fin, on voit Rebecca, ça a fait des petites saccades au milieu. Bon, bah, l'espoir était un peu perdu. Je me suis dit, bah c'est cool, si les cinématiques bug plus, bah c'est super, quoi. Mais malheureusement, non, c'est pas tout à fait ça. Donc on a vu dans la cinématique que le téléphérique, ça a arrêté de marcher, on sait pas trop pourquoi.
Donc on va aller voir ce qui se passe parce qu'on sait pas, on comprend pas pourquoi tout s'est arrêté. Et là on voit que il y a des sangsues sur place et des objets par terre. Donc on s'éclate, on écrase les sangsues parce qu'elles méritent que ça. Hein. Voilà, on se venge un petit peu pour ce qu'elles ont fait à Dini. Et on va ramasser les objets et vous allez voir qu'en fait c'est tout simplement l'homme sangsue qui a utilisé justement ces fameuses sangsues pour retirer la bobine d'entrée et la bobine de sortie. Donc c'est pas une énigme compliquée, suffit juste de ramasser les objets quoi. Attendez, donc l'autre clignotait tout à l'heure mais je l'ai perdu. Attendez, je l'ai pas ramassé. Hein. À moins qu'il n'y en a qu'un, mais il me semble qu'il y avait les deux trucs à mettre. Bon, on va remettre l'autre, hein, ça se trouve, ça va être bon. Je sais plus trop, mais on va voir. Ah, donc apparemment, c'est bon, il y avait juste un truc à retirer, mais il me semblait qu'il y avait les deux, mais bon. C'est tant mieux, ça fait juste un truc en moins ramassé. Mais... Je sais pas, il me semblait qu'il y avait l'autre truc. Donc on fouille un petit peu le décor, parce qu'avec Billy, je l'ai pas spécialement fait, parce que voilà, enfin je savais ce qui allait arriver, hein, donc c'est pour ça. Je me suis dit, ça sert à rien que je porte trop de trucs sur lui, bon après j'aurais pu les rejeter, mais ça sert à rien de ramasser pour jeter, alors que je peux les ramasser tout court avec Rebecca, quoi. Donc il y a toujours le bidon d'essence, là-bas je crois qu'il n'y a rien de spécial à prendre. Ouais, donc il y avait juste des balles de... Enfin, des cartouches de fusil, quoi. Donc là, le bidon, je vais le prendre pour le rapprocher un petit peu. Donc le bidon, pour l'instant, on va pas en avoir le besoin, puisque c'est Billy qui s'en sert pour faire les cocktails. Rebecca, elle ne sait pas en faire, donc... C'est juste histoire de le rapprocher pour éviter d'aller chercher à 10 km, quoi. Donc je regarde au niveau de mon inventaire. Alors je vais ramasser la petite herbe verte et je vais me soigner avec. Comme ça, bon, je serai peut-être en état jaune. Normalement, ça doit être jaune, mais bon, il y a des fois, coup de chance, on est à vert. Si on est vraiment à la limite entre l'orange et jaune, mais bon, je pense que là, vous voyez, ça va être jaune. Donc ça, c'est bon. Du coup, par contre, j'ai pas mon pistolet. Donc il y a le fusil qui est là-bas. On va prendre le fusil. Voilà. Donc on va mettre les cartouches directes, comme ça. Je sais pas si je peux les mettre toutes les 7, je me rappelle plus. Si c'est bon. Donc c'est parfait, ça me libère un slot. Donc on va redescendre, je vais pas utiliser directement le périphérique. Périphérique. Le téléphérique. Il y a bien un problème dans ce que je dis là. Je vais d'abord aller là où j'ai stocké tous mes objets. Parce que là, niveau armes, je suis un peu limite quand même. Bon, je vais laisser tout ce qui est balles ici quand même. Ça évitera de faire des méga allers-retours. Comme on dit, c'est... Enfin, pour certains, c'est un point faible du jeu. Moi, ça me dérange pas du tout. C'est le fait qu'il n'y ait plus de coffres hein, dans ce jeu. Je crois que j'en avais déjà parlé. Et c'est un peu ce qui avait déçu certains joueurs, mais moi d'un côté, je crois que je l'avais dit aussi, mais je préfère me répéter, je trouve ça plus réaliste parce qu'un coffre magique où on met des objets dedans et 2 km plus loin il y a un autre coffre et on retrouve nos objets, c'est pas forcément crédible. Bon après c'est l'histoire de dire que c'est pas crédible, hein, mais ça change rien, ça reste un jeu quand même. Mais c'est juste histoire de dire ça. Mais d'un autre côté, je trouve que placer ces objets comme on le fait dans ce Resident Evil là, je trouve que c'est mieux parce que ça permet d'optimiser nos déplacements. Alors c'est vrai qu'après on doit ramasser pas mal de trucs et déplacer un petit peu de temps en temps, mais je trouve que c'est pas bien méchant, ça résume à ranger son coffre quoi, enfin. Voilà, pour moi c'est pas un point négatif. Donc on va essayer de ramasser le flingue, mais j'arrive même pas à le voir, donc on va faire ça au pif. C'est peut-être ça. Ah, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé du premier coup. Donc je regarde sur la carte s'il y a des balles par terre. Parce que s'il n'y en a pas, bah ça m'évitera de les chercher. Alors attendez, comment on fait pour zoomer? Voilà. Ah donc c'est juste derrière moi apparemment. Donc ça doit être ça.
Ça fait bizarre d'entendre la musique parce que la dernière fois j'avais un autre casque. Je crois que vous en avez pas forcément parlé. Ouais, parce que je crois que le casque m'a lâché juste après la dernière vidéo que j'avais faite. Parce que mon casque déjà était pété sur le côté droit. Le micro marchait même plus. Donc c'était vraiment la fin du casque, quoi. Après, bah, il n'y avait plus de son tout court. Donc il était mort. Donc j'en ai racheté un. Puis bah, pendant les vacances, je l'avais commandé en avance. Donc c'est là j'ai pris ce qu'avant c'était un Triton AX120, mais bon c'était vraiment le bas de gamme de chez Triton quoi. Et là j'ai pris le Siberia V2 de SteelSeries que bah, Sneepy Wolf m'a conseillé parce que lui aussi il en a un. C'est vrai que je l'avais trouvé assez sympa, il était assez confortable et puis le son il est pas mal. Et puis bon il coûte pas excessivement cher, hein. Moi je l'ai eu à 60 euros je crois. Bon c'est déjà un certain prix, c'est vrai, mais bon quand on voit des casques gamers. À 250-300 euros, c'est quand même beaucoup moins cher. Du coup, bah, la qualité de son est bien meilleure que l'ancien. Ça se ressent largement parce que là, il y a beaucoup de bruit de basse et tout dans ce jeu-là, dans les musiques. On les entend bien comme il faut dans le casque. Et pourtant, j'ai pas forcément le casque fort, mais c'est pour vous dire quoi. Donc là, c'est bon, du coup, j'ai récupéré mon flingue, donc on peut continuer notre balade. Donc on va faire un petit peu le touriste avec le téléphérique. Et vous allez voir dedans, on aura un petit compagnon de voyage, voilà. Il va nous accompagner pendant le voyage. Donc on le voit, il est ici, il dort tranquillement, quoi. Donc on va pas l'embêter, hein. Mais on va récupérer quand même son arme, puisque c'est un magnum. Ça fait plaisir. Donc voilà, le magnum, donc déjà chargé avec 8 balles. Donc on va l'examiner vite fait, voir ce qu'ils en disent. Un grand pistolet capable de tirer de puissantes munitions de Magnum, d'accord. Donc il n'y a pas de modèle particulier, enfin ils le disent pas en tout cas, donc j'ai jamais vu ce Magnum avant. D'habitude on a plus tendance à voir des Desert Eagle ou les Colt Python, hein, comme dans Code Veronica, Resident Evil 1. Dans le 2 c'est le Desert Eagle. Dans le 3 je crois c'est Retour du Colt Python. Après dans le cadre bon, c'est un peu différent, il y a le M500, c'est le Broken Butterfly, il y a aussi le Killer 7, celui-là je sais pas ce que c'est comme modèle, enfin je me rappelle plus en tout cas. Donc vous voyez ça change pas mal de modèles, dans Resident Evil 5 il y a le Desert Eagle, et dans le 6 je crois c'est pareil, donc c'est souvent Desert Eagle Colt Python hein, qu'on voit, donc celui-là bah, il est un petit peu différent. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce modèle-là, le Killer 7, mais il me semble que dans Resident Evil 4, il y a aussi un contrepoids au-dessus pour que l'arme soit plus stable. Mais il me semble que c'est le même design d'arme. J'en suis pas sûr à 100%, mais il me semble. Donc vous voyez, on a utilisé le téléphérique. Le téléphérique, j'ai dû dire le téléphérique. Donc on peut le redémarrer, donc faire un aller-retour, donc on pourra récupérer ses armes, hein, faut pas s'inquiéter là-dessus. Enfin, il me semble en tout cas, enfin j'espère même, parce que continuer l'aventure avec un flingue et un fusil à pompe, ça va être un petit peu léger contre les boss. Donc je vérifie juste s'il n'y a rien à ramasser. Donc là ici j'ai déjà fait. Donc c'est pour être sûr, donc on va pouvoir sortir. Donc on est déjà plus de 20 minutes d'enregistrement, ça passe vite. Donc je vais rester à peu près sur la même taille de vidéo, donc à peu près 30-35 minutes. Donc ça c'est cool parce que là on récupère des herbes vertes. Je vais en récupérer qu'une seule. Ah, donc je vais l'utiliser directement. Tac, voilà. C'est juste histoire d'être en état ok parce que je sais que j'ai une herbe rouge qui traîne de l'autre côté. Donc au pire je pourrais la combiner avec cette herbe verte, quoi. Donc on arrive ici. Donc cet endroit-là est très familier pour ceux qui ont joué à Umbrella Chronicle. Donc le rail shooter, le premier rail shooter sorti sur Wii. Donc vous voyez, il y a plusieurs passages. Hein, donc on va d'abord prendre celui-là. Comme on peut le voir, c'est fermé, verrouillé de l'autre côté. Donc tant pis, on monte par là. Voilà, donc il y a une nouvelle porte. Alors je vérifie au cas où s'il y a des choses. Normalement, il n'y a rien, mais on ne sait jamais. Faut mieux être prudent parce que c'est vrai que des fois, soit des fois on loupe des choses parce qu'on s'en rappelle plus, ou soit des fois on découvre des choses qu'on n'a jamais vues avant. Et ça m'est souvent arrivé, surtout dans Resident Evil 2, parce que c'est vraiment le jeu que j'ai le plus joué, on va dire. Enfin, le plus joué après Resident Evil 4, mais
Ouais, ou peut-être autant, je sais pas. Puisque RE2, ça fait quand même plus longtemps que j'y joue que Resident Evil 4. Mais ouais, je sais pas. Enfin bon, j'ai jamais cherché à compter non plus, mais bon. C'est juste histoire de dire, dans Resident Evil 2, il y a certains endroits où il y a des. Dans le décor, il y a des objets qui sont cachés derrière, derrière des éléments de décor. Donc on peut vraiment pas savoir si on cherche pas à fouiller en spammant la touche croix, quoi. Donc c'est assez marrant de voir ça. Il y a par exemple des rubans encreurs cachés. Il y a aussi des plantes vertes. Par exemple, dans le commissariat, il y a un bureau où on doit aller derrière le bureau. Il y a des plantes vertes. Je crois qu'il y en a deux, il me semble. Donc c'est un truc qu'on peut vraiment pas deviner si on n'a pas, entre guillemets, l'intelligence d'appuyer sur croix en y allant, quoi. Donc là, on arrive dans une nouvelle salle de contrôle et qui fait office aussi de salle de sauvegarde, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est cool pour nous. Alors je regarde là. Donc il y a le plan déjà. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc cette nouvelle zone s'appelle l'usine. Donc là on peut voir où on est. Donc on voit qu'il y a pas mal de bordel quand même. Qu'on devra visiter un petit peu plus tard. Donc des munitions de flingue qui sont les bienvenues, je dirais. Alors vous m'excuserez, hein, je pense que ça s'entend un peu, mais j'ai le nez complètement bouché. Et ça, le problème, c'est que avant déjà, enfin quand j'y étais pendant les vacances, il y avait des changements de température méga brutales. Il y a des fois, il allait faire soleil jusqu'à 2 h de l'après-midi, donc il faisait quoi, peut-être 15-20 degrés. Et puis toute l'après-midi, il fait super sombre, comme si le soleil allait se coucher dès 3 h de l'après-midi. Et il faisait moins 10, enfin moins 10, peut-être pas quand même, mais en dessous de 10 degrés, je veux dire. Et du coup, bah, les changements de température, déjà que j'étais enrhumé là-bas, et puis là, en revenant, c'est pareil, quoi. On passe du sud au nord, enfin nord-ouest surtout, puisque c'est la Normandie, hein, c'est pas le Pas-de-Calais non plus. Et je peux vous dire que ça fait une petite différence de température. Donc là, il y a les rubans creux, on voit qu'il y a des grenades aussi. Alors, est-ce que je sauvegarde maintenant? On a 27 minutes, je vais essayer de continuer un petit peu. Je vérifie qu'il n'y a rien là-bas. Ah bah j'ai bien fait de fouiller. Bon, c'est pas grave, je sais qu'il y a un spray. Et normalement, il n'y a rien d'autre. La porte du meuble est ouverte, il n'y a plus rien dedans. Ok. Là, il y a quoi? Parce que c'est à moitié sombre. Ouais, c'est scellé. C'est bien ce qui semblait. Il y a bien une plaque de. Une plaque de quelque chose, une plaque d'égout, on va dire. Même si c'est pas forcément ça, mais. Et voilà, donc on retourne en arrière. On va se promener un petit peu. Alors c'est pareil, cet endroit-là. Bah comme j'ai dit, ressemble à Umbrella Chronicle. Mais vous allez voir que plus tard dans l'aventure, ce sera peut-être pas dans cette vidéo-là, puisqu'on va s'arrêter un peu avant. Mais vous allez voir dans l'aventure, pardon, il y a des ressemblances aussi avec des lieux dans Resident Evil 2. Donc là pour l'instant c'est très couloir, on n'a pas trop le choix, il n'y a qu'une porte à chaque fois par pièce. À part celle d'où on vient évidemment. Alors ici, j'aurais peut-être dû prendre une autre arme. Bon, j'espère que ça va passer. Ouais, c'est ça que je dois ramasser. Ah, mais je suis encore plein, putain. Bon, je vais poser ça en attendant, remarque. Non, je vais poser ça. Parce que ça, c'est vraiment le truc que je ne devrais pas utiliser pour l'instant. Parce que sinon. Ça serait quand même abusé. Donc je fais une petite sauvegarde rapide au cas où. Donc je sais pas s'il y a des commentaires là-dessus. Un objet est exposé. Ah oui, heureusement que je l'ai pas loupé ça. Un humanoïde géant est en suspension dans un fluide bio-organique dans une capsule. Alors si vous l'avez pas reconnu, alors vous avez peut-être jamais joué à RE, dans ce cas-là c'est normal. Et pour les gens qui ont joué au moins à RE1, RE2, RE3, bon, même si dans RE2, RE3, c'est peut-être sous une forme un peu différente, vous êtes quand même censé reconnaître ce que c'est. Hein. Donc du coup, bah, je ramasse ce qu'il y a par terre, parce que c'est quand même pour ça que je suis venu. Donc la clé de l'usine, donc on va pouvoir ouvrir une nouvelle porte grâce à ça. Donc attention au cardiaque, je préfère le dire. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a. Des hunters. Ah la vache, putain, il m'enchaîne.
Je laisse pas approcher. Alors, est-ce que ça va être bon? Ça a l'air. C'est bon. Est-ce qu'ils m'ont mis cher? Ouais, ils m'ont quand même mis assez cher. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Attention au cardiaque. Du coup, bah ouais, je vais me soigner, comme ça, ce sera fait. Donc je ramasse le magnum, du coup, comme ça, ça m'évitera de faire trop d'allers-retours. Donc ouais, deux hunters, hein, bien méchant. Alors, bon, il meurt assez facilement, quand même. Le premier, un petit peu galéré, mais le deuxième, je crois, il s'est mangé que 2 balles. Peut-être 3. Enfin, il s'est peut-être pris des balles perdues de quand je tirais sur l'autre. Mais bon, voilà, on voit qu'il y a des hunters dans la zone, donc ça fait pas forcément plaisir aux joueurs. Donc c'est pour ça que je me suis dit, avec le fusil à pompe, bon, ça va quand même aller, hein, ça c'est quand même passé, mais ça aurait peut-être été plus radical d'utiliser le lance-grenade et du coup économiser des soins, quoi. Mais bon, tant pis, c'est trop tard. Après, c'était pas bien méchant non plus, hein. Donc là, du coup, bah, on réaccède à la salle de sauvegarde. Et vu qu'on arrive à 30 minutes, on va s'arrêter là. Alors je vais utiliser la clé de l'usine juste avant, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc encore un élément qui rappelle un petit peu Resident Evil 2. Hein. Donc c'est pareil, dans Umbrella Chronicles, c'est présent. Bah, je vais sauvegarder. Bah, je dépose mon fusil. Enfin non, j'ai même pas besoin. Je sais même pas pourquoi je voulais faire ça, c'est pas grave. Je ramasse les rubans. Je sauvegarde. Enfin, si elle a envie. Voilà. Donc je vais pas sauvegarder sur le même slot, mais j'espère que j'aurai plus ce problème de sauvegarde. Ce que je vais faire là, ça va être une sauvegarde rapide au cas où. Pour vraiment être sûr. Parce que franchement, ce truc là, j'ai pas compris quoi. Enfin, je pense pas que ça soit lié à l'émulateur, honnêtement. Parce qu'il faut savoir que j'ai un SSD. Et les SSD, c'est de la mémoire flash. Et je sais que même si actuellement c'est beaucoup plus fiable qu'autrefois. Il peut y avoir des pertes de données, alors est-ce que c'est lié à ça? Parce que pendant les 2 mois, c'est pareil, mon ordinateur, je l'avais débranché, hein, au cas où, pour le tonnerre et tout, on ne sait jamais, hein, je voudrais pas me refaire foudroyer, une fois ça m'a suffi quand même. Donc c'est pour ça, j'avais tout débranché, donc peut-être que le SSD, lui, n'aime pas trop être coupé du courant pendant longtemps et perdre peut-être des données, je sais pas, hein, je dis ça complètement au pif, parce que je sais que y a un ami à mon père qui s'y connaît plutôt pas mal, et qui me disait que les SSD c'était pas encore super fiable parce qu'il y avait souvent des pertes de données. Alors est-ce que c'est lié à ça? J'en sais rien du tout, c'est juste comment on pourrait dire ça, mais une hypothèse, voilà, juste une hypothèse quoi. Donc je sais pas si ça vient de ça, parce que pour moi l'émulateur, même s'il bug en soi, les fichiers sont dans les dossiers de Windows. Donc je veux dire que l'émulateur il bug ou quoi, il a pas à toucher au fichier de Windows, c'est pour ça quoi, surtout que j'avais fait une copie de sauvegarde et comme par hasard c'était pas dans le lot, donc je sais pas pourquoi, ou c'est peut-être qu'à ce moment là ça avait déjà planté, je sais pas. Pourtant j'ai rien supprimé hein, moi-même, donc je sais pas, c'est assez bizarre quoi. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on est quand même là et que la sauvegarde rapide a marché. Et ça fait quand même plaisir, parce que me retaper le jeu, bon, je l'aurais quand même fait, hein, parce que c'est un engagement, comme je vous ai dit. Hein. Dans ce genre de problème, c'est moi qui assume, hein, ça je l'ai toujours dit. Mais ça fait quand même plaisir de pas tout se retaper quand même, parce que je l'avais déjà fait une fois, hein, donc je vais pas faire que ça. Donc bref, on va se quitter là, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus! Thank you.
Thank you.